Bonsoir, bonsoir. Ça va ? Quel plaisir d'être parmi vous. Moi, j'en ai fait des conférences, mais j'ai rarement eu droit à un sujet aussi passionnant qu'aujourd'hui. Quelle ambiance ce soir. Le seul truc qui vous a réveillé, c'est quand ils ont mis des moyennes sur l'écran. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc j'ai bien aimé, il y a quoi, il y a 22 personnes qui ont arrêté la séance d'examen en cours de route, mais il y en a un, et je suis sûr que c'est un mec qui est allé au bout et qui a fait 2,2. J'aimerais avoir la confiance de ce mec-là, il doit croire aux miracles. J'aime bien, bah non, il est pas là du coup, mais j'aime beaucoup. Ils disent, on sait jamais, vu qu'ils inversent les noms, peut-être que, voilà, il aurait eu le diplôme de quelqu'un d'autre. La première fois que j'ai entendu parler de cette soirée, j'ai reçu un mail de l'AGS et j'ai ouvert et c'était marqué « Pourriez-vous m'indiquer la possibilité d'une éventuelle intervention de messieurs Cuchol et Veillon ?» J'ai dit « Ok, moi je confonds toujours les deuxièmes et les troisièmes piliers, eux ils confondent les humoristes, ok, pourquoi pas ?» Mais c'est la première fois qu'on me confondait avec un duo, ce qui est quand même fort, donc je vais avoir des problèmes de schizophrénie maintenant. Puis après ils sont excusés, ils ont dit « Oh, c'est un copier-coller qui s'est mal passé et la personne ne travaille plus pour nous. » Je pense pas que c'est ce copier-coller qui a fait qu'il a été viré. Je pense qu'il a dû en faire un ou deux autres. Genre, il voulait envoyer une dick pic à sa femme, c'est allé chez le patron. Je pense qu'il y avait quelque chose d'autre. Dans mon métier aussi, il y a eu quelques copier-coller qui se sont mal passés ces derniers temps. Beaucoup d'humoristes qui ont été accusés de plagiat. Moi, je suis devenu un peu parano avec ça. Donc maintenant, dès que j'écris un truc, j'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà dit. Et je passe 2 heures sur Internet pour chercher qui l'a déjà dit. Et après 2 heures, je réalise que personne n'a jamais dit parce que c'est nul. Ça est devenu un peu compliqué. Bon là, du coup, on m'a demandé de faire des blagues sur les assurances sociales. Donc là, je crois qu'on va pas pouvoir m'accuser de plagiat. Parce que même si je voulais plagier, je saurais pas où les chercher, les blagues sur les assurances sociales. Jamais tellement entendu des collègues en faire. Mauro Poggia disait que c'est un domaine dans lequel on sait jamais tout. Moi, je suis dans l'autre extrême, j'ai jamais rien su. Voilà. Bon, vous, l'assurance accident, vous avez rien pigé non plus, visiblement. Là, on est sur le même niveau. Il y a quoi ? Il y a 92 lauréats dans cette salle. Vous êtes les seuls qui comprenez quelque chose aux assurances sociales en Suisse romande. Hein. En dehors de la salle, il y a 1 999 912 personnes qui pigent rien du tout, j'aimerais vous le dire. Moi, je suis un peu curieux, donc je suis allé sur le site de l'AGS. J'ai mis 3 minutes à réaliser que c'était pas le bon AGS. Une compagnie d'assurance belge qui s'appelle comme ça. Après, j'ai trouvé le bon site et je me suis marré 3 minutes quand j'ai vu que l'image qu'ils ont mise en bannière, ils ne l'ont pas achetée. Donc, il y a encore le nom de la banque d'images qui est partout sur l'image. Vous irez voir. Puis après, j'ai vu qu'ils proposaient un cours de sensibilisation au sujet. Je me suis dit, bah voilà, il faut que je fasse ça. Comme ça, je serai prêt pour cette cérémonie. Puis en plus, ça me sera utile. Moi, je suis indépendant, donc c'est important. Je ne comprends jamais rien. Je ne sais jamais si je paye les bons trucs, si je vais avoir une retraite ou pas. Donc, j'ai cliqué sur cours de sensibilisation. J'ai vu 22 cours de 2h15 sur 6 mois. J'ai dit, bon, tant pis, pas de retraite. Pas grave. Après, j'ai eu un téléphone avec monsieur Orger. J'ai demandé un peu quelles étaient les actus dans le domaine des assurances sociales. Est-ce qu'il y avait eu un peu des chamboulements, des événements marquants, des choses dont tout le monde parlait en ce moment, sur lesquelles je pourrais rebondir. Il m'a dit non. Donc voilà, c'est vraiment un secteur passionnant, en constante évolution, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Je pense que si un employé d'assurance sociale, il se réveille aujourd'hui d'un coma de 50 ans, franchement, il comprendrait rien aux technologies, rien à la politique, rien au monde. Il pourrait retourner au travail sans problème. Il y a vraiment rien qu'à bouger. Non, on m'a dit le dernier chamboulement, c'est Prévoyance 2020 là, qui va être implanté bientôt. Ça, j'ai adoré. On a refusé la réforme de l'AVS, on a refusé la réforme de la RIE. On a mis les deux ensemble, on a accepté à 66%. La démocratie suisse, voilà. Puis on m'a dit peut-être le prochain chamboulement, ce sera le congé paternité. Et pour l'instant, on n'a pas le congé paternité. Moi, je trouve normal qu'on n'ait pas, parce qu'ils nous l'ont dit à Berne, ils nous ont dit que ça coûte trop cher. Et c'est vrai que ça coûte cher. L'économie suisse ne peut pas se le permettre. On n'est pas riche comme des pays qui l'ont, comme la Lituanie ou la Bulgarie, ou le Portugal, ou la Slovénie, ou la Roumanie. Nous, on doit se serrer la ceinture. Ils ne comprennent pas, ces gens. Non, puis c'est des mecs qui décident du congé paternité. Donc, eux, ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que c'est beaucoup moins fatigant d'aller bosser que de s'occuper du bébé. C'est pour ça. Surtout, non mais, surtout quand on travaille ces politiciens à Berne, t'es content d'y aller, c'est la glande. Enfin, politicien suisse, c'est t'arrives le matin au boulot, t'es là, on fait quoi aujourd'hui? On maintient le statu quo? Ouais, ok, à demain.
Mais d'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que là, vous avez quoi? Vous avez terminé en octobre vos examens? Ouais, vous avez maintenant les diplômes. Il paraît que la Confédération, ils mettent 2 mois à imprimer les diplômes et ils s'expliquent en disant oui, mais c'est parce que il y a une petite quantité, et du coup on met plus de temps. Ça, ou alors ils les font faire chez un graveur de pierre dans le Toggenburg, je sais pas exactement. Non mais il y en a pas assez, donc ils mettent plus de temps. On est au sommet de la logique à Berne. Moi j'aimerais bien les entendre expliquer les problèmes du monde, quoi. Ah, le réchauffement climatique, ouais, il n'y a pas assez de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça le problème, il faut qu'on en crache plus. Je pense que le coronavirus, ils se disent, le problème, c'est les respirations, on va arrêter de respirer. Comme ça, on ne l'attrape plus. L'administration fédérale nous explique nos problèmes. Alors voilà, après, on a eu Mauro Camozzato qui nous a dit, ce soir, c'est quelque chose de festif et de jovial. Ben, dis-le à ton enthousiasme. Alors, ben, je sais pas. Non, mais... Je vous laisse ouvrir la bouteille de champagne à votre table. Vous pouvez vous couper les veines avec le capuchon. C'est pas Camozzato, c'est Comazzato, là. Puis son association, elle est tout aussi fun que lui. Donc la GAS, il y a 400 membres et chaque année à l'AG, ils sont 30. C'est vraiment... On sent que les gens sont investis dans la sauce, ça fait plaisir. Non, en fait, si j'ai bien compris, donc ça concerne les Genevois, ils rejoignent la GAS parce qu'il y a un rabais sur le prix du brevet. C'est l'unique raison pour laquelle ils sont... Ouais, c'est ça, on est d'accord. Parce que, alors, ça coûte 7800 francs, mais 6500 si t'es membre. Et pour être membre, c'est 150 balles par an. Je sais pas comment ils font leur calcul, la GAS, mais il y a... Je sais pas si j'ai envie qu'ils gèrent mes assurances sociales quand je vois comment ils gèrent leurs finances à eux. Parce que y a un truc qui colle pas du tout. On a eu Mauro Poggia, alors lui il était pas au courant non plus que ça devait être festif et jovial, hein, apparemment. Et il était pas au courant non plus que c'était pas programmé sur une semaine, cette cérémonie. Oh, il a fait les salutations officielles, ça lui a pris 8 minutes déjà. Mesdames et messieurs les présidents des sections de Fribourg, de Schaffhouse, d'Appenzellrode d'intérieur, monsieur le préposé à la photocopieuse du bureau de Glaris. Bon, après, c'est aussi, vous cherchez à la FEAS, le président du comité central de la Fédération des employés d'assurance, ça va, c'est assez long, quoi, enfin, on se croirait en URSS, quoi. On a aussi le politburo de la GAS, ils ont des noms, genre, alors Vincent Orger, c'est le sous-secrétaire du cabinet d'État au secrétariat du comité exploratoire du Haut-Commissariat Suisse des dispositifs examinatoires. Puis après, en plus, il cumule les casquettes, parce que l'autre, il est vice-président du même truc, c'est vraiment, c'est communisme, là. Moi, j'ai essayé de me concentrer pour écouter le discours de M. Poggia, mais à un moment donné, il a dit « Il y a certaines lois qui sont censées traiter des mêmes conséquences qui s'appliquent différemment selon la cause de cet effet. Jusqu'à certaines lois, j'étais là, et après, plus rien. Bon, après, il a dit « Le système de sécurité sociale suisse est de qualité, mais il a un coût. » Ça, je crois que c'était le refrain de sa chanson, parce qu'il l'a dit 8 fois, à chaque fois. Je sais pas si vous connaissez le jeu à boire de Roxane, la chanson de Police, à chaque fois qu'ils disent Roxane, tu prends un shot. Là, tu peux prendre un shot à chaque fois qu'il dit le système de sécurité sociale suisse est de qualité. Tu vas passer une bonne soirée, à mon avis. Bon, après, si tu prenais un shot à chaque fois qu'il faisait une bafouille, t'étais trop bourré pour venir chercher le discours. Donc ça, il fallait pas. Bon, assez rapidement, M. Poggia, il a embrayé sur la lamale. Là, on a senti que c'était son sujet de prédilection. Quand là, il était comme sur des roulettes. C'est un peu comme les Rolling Stones. Ils font quelques nouvelles chansons pour se chauffer. Puis après, ils reviennent sur les hits. Quoi. La lamale, c'est Satisfaction pour Mauro Poggia. Ah, la caisse unique, il est dans ses... C'est bon, il est dans ses trucs. Quoi. Non, j'ai bien aimé Poggia parce que, pour ceux qui ne sont pas Genevois, Poggia, la première fois qu'il a été élu au Conseil d'État, il était dernier. Il est passé à la raclette et il a... bien travaillé, et la deuxième fois, il est arrivé deuxième, juste derrière Maudet. Et il s'est dit, ouh, j'en ai plus qu'un à éliminer. Et après, tous les matins au bureau, il disait, hé, Pierrot, t'as déjà allé à Abu Dhabi, au Grand Prix, tu devrais y aller. Donc maintenant, Maudet, il s'est fait vider son département, ils ont tout refilé à Poggia. Poggia, il a le département le plus gros de l'histoire du canton de Genève. Alors j'ai noté, il a la santé, l'emploi, la sécurité, le karaoké du bar de la Coupole, le Luna Park de plein palais, l'horloge fleurie, le salon de l'auto, le salon du livre, le salon de coiffure d'Elisabeth Tessier. Franchement, à un moment donné, on lui a demandé, est-ce que votre département est pas trop gros? Il a dit, dire oui, ce serait être incompétent, et dire non, ce serait être arrogant.
Du coup, il a rien dit pour laisser planer le doute. Bon, à part ça, je suis pas d'accord qu'un un conseil d'État doit choisir entre être compétent ou arrogant, incompétent ou arrogant, parce que Bartassa, il faisait les deux. Mais bah, j'ai le droit de bafouiller aussi un peu. Ensuite, on a eu quoi ? Ah oui, on a eu Mauro Clo et Mauro Rien. J'appelle tout le monde Mauro aujourd'hui, parce que statistiquement, j'ai des bonnes chances de tomber juste. Donc je... Ah, Monsieur Clo, je me suis dit quand il est arrivé sur scène, putain, le dernier album de Renaud, il est pas terrible. Hein, Les assurances sociales, c'est cool, tagadam. Dur. C'est ce soir qu'il faut faire la fête, c'était pas hier, hein, Monsieur Clo. Après, il vous a dit, ça devait être difficile, ça devait être compliqué de renoncer aux sorties entre amis. Je sais pas si le plus chiant, c'était de renoncer aux sorties entre amis ou d'essayer d'expliquer à vos amis ce que vous étudiez. Ça, je pense que c'était ça. Ouais, on est d'accord. Il dit, vous êtes en mesure de réaliser vos rêves. Applaudissez ceux qui avaient leur rêve de devenir spécialiste en assurance sociale. Bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Il vous a dit que vous pouviez continuer et obtenir le diplôme d'expert en assurance sociale. Là, il y a eu un rire dans la salle qui disait « Oh, cause toujours, mec. » Je pense pas qu'il va y avoir un pic d'inscription sur le site aujourd'hui, Alexandre. Hein. Ils ont plus envie d'entendre parler de la FEAS pendant un moment, ces gens, j'ai l'impression. Vous avez été vacciné. Bah, c'est quoi c'est 10... La plupart d'entre vous, c'était 18 mois de cours. Alors, on m'a dit que c'était différent dans chaque canton, la Suisse. Vous, ils testent sur une année maintenant. La Suisse allemande, c'est sur 2 ans et demi, 3 ans. Mais eux, ils réussissent du premier coup, visiblement. Mais je pense qu'en Suisse allemande, c'est beaucoup plus long parce que rien que employé d'assurance sociale, c'est un mot à 12 syllabes chez eux. Quoi. C'est genre Sozialistischerung, Bundesamtwerker, Mitnimung, Unteraltensberuf. Là, ok. T'as déjà perdu 6 mois. Et Genève, c'est là en Suisse romande où ils mettent le plus longtemps. Les Genevois, vous êtes où ? Ok. Ça dure 2 ans le diplôme. Ça met un peu plus longtemps que dans les autres cantons romands parce qu'à Genève, il faut que chacun puisse s'exprimer avec leur grande gueule. Il faut compter 6 mois de plus aussi. Parce que je pense qu'à chaque fois, ils ont une anecdote personnelle à partager. Quoi. Ouais, l'assurance chômage, alors double, j'ai un cousin qui était au chômage une fois, je te raconte pas, à cause des frontaliers, là, c'est bon, ta gueule. Et certains cantons, c'est délégué à des écoles professionnelles. On m'a dit que dans le Jura, c'était Avenir Formation qui formait les jurassiens. C'est marrant comme nom d'école, Avenir Formation, parce que c'est 2 choses qu'un jurassien possède pas en général. Non, en plus, j'adore le Jura, j'y vais souvent. Et un de mes scandales préférés en Suisse a eu lieu dans le Jura. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont sans doute bosser à l'administration jurassienne. Les fonctionnaires jurassiens, il y a quelques années, ils ont fait parler d'eux parce qu'il y a eu un porno-gate où ils ont fait exploser le serveur jurassien parce qu'ils regardaient trop de porno. Je vous jure, le porno-gate, vous regardez ça sur Internet, c'est incroyable. Alors, des gens qui regardent du porno au boulot, il y en a partout, mais pour faire péter le serveur... Puis en plus, c'était il y a 10 ans, donc c'était pas encore en HD le porno. C'est-à-dire que c'était que des vidéos basse définition, il faut y aller. Hein. Il faut carburer. Ils ont fait une enquête du service informatique, ils ont trouvé 30 fonctionnaires qui mettaient du porno au boulot, dont un qui passait 25% de son temps de travail sur les sites porno. Ça, je respecte. Franchement, lui, quand il rentre le soir à la maison, il peut dire « Oh putain, je suis crevé ». Là, il a le droit. Non, c'est pour ça, les fonctionnaires jurassiens, moi je vous aime bien, parce qu'on a souvent le cliché sur les fonctionnaires, on dit « Oh, ils branlent rien », et vous avez prouvé que c'était faux, et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Non, mais je sais que les employés d'assurance sociale, vous n'êtes pas des branleurs, je suis allé voir juste le brevet, la liste des cours que vous avez, j'ai même pas tenu jusqu'à la fin de la liste des cours, donc moi je respecte énormément ce que vous avez fait. Je suis allé voir aussi l'agenda de l'AGAS, parce que c'est une association passionnante qui organise beaucoup de choses, notamment ils ont organisé en 2017 une conférence qui s'intitulait « Que se passe-t-il en cas de décès ? Tour d'horizon sous l'ongle du premier et du deuxième pilier ». Bon, malheureusement, j'ai raté ça. Mais c'est vrai que moi, quand je pense à la mort, les trucs qui me viennent, c'est immédiatement l'angle du premier et du deuxième pilier. Quoi. C'est mes grosses angoisses. Quand j'imagine mon enterrement, moi, j'imagine tous mes proches qui pleurent. Puis après, j'imagine les employés d'assurance sociale à côté avec les calculettes. Moi, c'est ça qui... Moi, ça vous arrive de penser à votre enterrement, savoir qui sera là, qui sera triste, qui sera pas triste, qui se dira « j'ai toujours voulu coucher avec, maintenant c'est illégal ». Ça vous est déjà arrivé, ça ? Moi, ça m'arrive souvent. Et... C'est pour ça que j'ai souscrit une assurance vie, parce que je voulais qu'il y ait quelqu'un qui pleure vraiment à mon enterrement. Et là, je sais que mon assureur, il sera détruit quand je meurs. Quoi. C'est une blague, je me suis dit que peut-être ça allait marcher aujourd'hui. Mais en général, les gens qui comprennent comment fonctionnent les assurances et les gens qui comprennent comment fonctionne l'humour, il n'y a pas d'intersection. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, avec ce diplôme, vous n'allez pas mourir seul. C'est impossible que vous mouriez seul, parce que jusqu'à votre lit de mort, il y aura toujours quelqu'un pour vous appeler et vous dire « Putain, je comprends rien à la prévoyance, tu peux m'expliquer ?»
Donc vous avez vraiment bien investi. Et à votre dernier souffle, le plus tard possible, j'espère, vous poserez la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sous l'angle du premier et du deuxième pilier ? Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée.